Le 20 mars 2023, Nomé Container Terminal a procédé à la mise en service officielle de nouveaux équipements de manutention et de l'extension de son parc à conteneurs en présence du Président de la République, Son Excellence Foris Osim Nanya Singbe, de son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, en visite d'amitié et de travail à Lomé, des membres du gouvernement togolais et des principaux actionnaires de LCT, à savoir MSC, Mediterranean Shipping Company, et la CMH, China Merchant Port Holding Company Limited. Le projet d'extension financé par les actionnaires de LCT à hauteur de 50 millions d'euros a permis de renforcer les capacités opérationnelles de Lomé Container Terminal et de réaffirmer son statut de meilleur terminal à conteneurs de transportement en Afrique de l'Ouest. Ce projet d'extension s'est concrétisé par la création d'espaces de stockage supplémentaires d'une capacité d'environ 10 000 EVP sur une superficie de 5,65 hectares, l'acquisition d'équipements additionnels de manutention, notamment deux grues portiques de quai STS, 5 portiques de parc RTG, 10 tracteurs, remorques et châssis, 2 chariots élévateurs de conteneurs vides ECH, 2 chariots élévateurs fourches et 560 prises pour conteneurs frigorifiques. L'extension de Lomé Container Terminal devra permettre d'augmenter la capacité du terminal, de répondre efficacement aux besoins futurs de croissance des volumes attendus au Togo et dans la sous-région ouest africaine, tout en garantissant les meilleurs standards de qualité des services fournis, de productivité opérationnelle globale et de fluidité des opérations de livraison, réception des marchandises, grâce à une politique de formation, d'amélioration continue de la qualité et des performances. Dans son allocution, M. Koku Edem Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, a rappelé que Lomé Container Terminal illustre parfaitement la concrétisation de la vision du président de la République de faire du port autonome de Lomé une place portuaire forte et efficace, un hub logistique de premier rang au service du développement économique du Togo et des pays de la sous-région. Une vision partagée par Lomé Container Terminal qui exerce ses activités en respectant les objectifs de développement durable par un engagement à être responsable à l'égard des communautés et des générations à venir, à protéger l'environnement et à contribuer au mieux-être de la population. Ainsi, depuis son lancement en 2014, Lomé Container Terminal a créé 1735 emplois dont 881 emplois directs et 854 emplois indirects, contribuant à améliorer le niveau de vie des populations. Lomé Container Terminal, la perle de l'Afrique.